Wanda, on se retrouve pour un petit unboxing de cette chose-là. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing de... Non, recul. Ah ouais. Voilà. Le Chef Club Kid. Il y a un livre et des trucs là. Vas-y, on vous montre ça. Donc, on disait qu'on se retrouve pour cette petite ouverture. Il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien du tout. On l'a payé avec la moula de la daronne. Voilà. Parce qu'Iliès veut devenir cuisinier. Donc, si Chef Club passe par là, je vous donne mon adresse sans problème. Vous pouvez lui envoyer plein de trucs. Parce que ça coûte la peau des fesses quand même, hein, pour les gens qui n'ont pas de moyens. Donc, comme vous pouvez voir, il y a plusieurs modèles, mais ils y sont pas là-dessus. Non. Il y a plusieurs modèles, je vous mettrai des photos par là. Et là. Et là. Et là. Et là. Et là. Et là. Bref. Donc, on va commencer l'ouverture. Let's go. Donc voilà, derrière vous avez un petit truc qui vous dit de partager les photos sur l'application Chef Club. Et vous pouvez gagner des cadeaux. Là, vous avez l'application pour télécharger... En QR code. Pour télécharger l'application et voir toutes les recettes. Donc, on ouvre cette grosse tête. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bon, on est spoilé déjà, mais bon. Ah, yo! Donc, on va commencer par quoi? Ça? Tiens, vas-y. Alors voilà, il y a un petit attache, un petit attache. En fait, il a du mal à comprendre que la caméra elle est par ici. Voilà, il y a un petit attache. Pourtant, il a le retour. Hein. Attendez, je vais l'ouvrir. Bon, il y a un petit attache comme ça, avec un design Chef Club. Oh, regardez, c'est trop bien. Vous voyez ça? Alors, tu présentes les petits personnages? Ok, alors. Bah, il y a le chef. Ça se voit, sa tête. C'est Maurice. Maurice? Oui, il s'appelle Maurice. Parce que je vous explique. Regardez. Il y a les petits personnages, leur histoire, son caractère, etc. Ah, il a une histoire? Oui, regarde. Ah, ouais. Les préférés, c'est le bœuf bourguignon, tu vois. Sa phrase fétiche, à table. Ça, c'est toi. Bon, on vous présente parce qu'il y a ce qui présente très bien. Mais je l'ai montré. Maurice, voilà. C'est une cup de... On va vous dire les dimensions après. Parce que là, je ne les ai pas en tête. Elvis. Un cochon. Pardon. Bah ouais. Pour Maurice. Je vous le montre de près. Voilà. Trop mignon. Après. Carlion. Carlton. Carlton. On vous le montre. Oui. Après, il y a Lola. Une petite souris. Une petite souris. Ensuite, il y a Colette. Colette la poulette. C'est Colette la poulette. C'est Colette la poulette. Et enfin, il y a les Kikitos. Kikitos. Les Kikitos. Les Kikitos. Voilà, tos. Non, c'est trop mignon, la vérité, c'est trop mignon. C'est mon préféré, lui. Ils sont en plastique, voilà. Ouais. Et ça, c'est en silicone, on dirait. Je trouve ça génial, en fait. C'est un silicone, tu crois? C'est ouais. Non, ça, c'est du plastique. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, il y a un livre, comme ça. Ilias a choisi celui-là. Ouais. Dedans, moi je croyais que c'était qu'un livre, mais quand je l'ai ouvert, je croyais qu'il était déchiré, mais en fait... Regarde ce qu'il y a. Il y a plein de petits autocollants du monde. Voilà. Plein de petits autocollants, et ça c'est un poster. Quoi. Un poster de... Non, c'est une carte. Je sais pas. Ah ouais, c'est une carte, c'est ça. Ah, une carte du monde. Regardez, génial. Elle est grande. Je pense qu'on peut coller les petits... Elle est plus grande que ma tête, regarde. Non, que ta tête, faut pas abuser. Eh. Non, mais elle est très grande, ouais, elle est très grande.
Non, c'est pas mal, je trouve. C'est un truc tout con, mais vous voyez, dans les livres, moi j'adore les posters et les autocollants, je trouve ça génial. One, two, three. Viva l'Algérie! One, two, calmez-vous, il est algérien. Plus français. T'es les deux. Oui, bref, mais je parle que français. Donc, dans cette recette, il y a plusieurs trucs. On va pas vous montrer toutes les recettes. Et les repas de tout ce qu'il y a dans le monde à peu près. Ça, c'est la page normale, en carton, en papier normal. Oui, mais c'est les spécialités du monde. Oui, voilà. Les pages sont... Oui, les pages sont plastifiées. Ah, non, plastifiées. Ah, ouais. Vous ne pouvez pas les salir. Oh, voilà. Ça, c'est génial. Ou sinon, vous pouvez donc, vous pouvez télécharger recettes. L'application tout en scannant le QR code et retrouver les recettes. C'est un QR code. Là, vous allez des petites histoires. Je les passe vite. Hein. Ah oui, on... Là, l'histoire des poulettes et des... Poulettes, oh. Là, l'histoire des pays et, là, et les recettes. Ouais. La pizza logique. Voilà. L'Italie. Et là, vous avez... On vous montre que les recettes. Hein. Achetez le livre. Moi, je vous le conseille. Vous avez des recettes avec les dimensions. Ça veut dire... vergeoise. C'est quoi de la vergeoise? C'est du lait, l'impression. Bah ouais, regarde, la photo, c'est du lait. Premier petit truc, vous voyez? Donc, il y a un petit souci. J'ai arrêté la vidéo justement pour voir ça. Vas-y. Il y a marqué 4 épices. Voilà, la première recette, déjà, il y a un petit souci. Mais ici, là... Vous voyez, tout y a marqué, par exemple, la cannelle. Bon, ça, j'ai trouvé. La vergeoise, ça, c'est en fait du sucre roux. Voilà. Les Belges, ils appellent ça comme ça. J'ai regardé, c'est un genre de sucre roux. Mais par contre, pour les 4 épices, j'ai cherché sur Internet, j'ai pas trouvé. Bref. Ils vous disent ce qu'il faut. Quelle épice? Ils vous disent le matériel utilisé. Et là, si vous savez pas lire au cas où, il vous montre les dessins. Bon, il faut lire un minimum, tu vois. Mais ou sinon, il vous montre les dessins, comment faut faire, l'évolution, le temps, etc. Je trouve ça génial. Voilà. Donc, vous avez plusieurs recettes, dont ce qui est génial, c'est avec un code là, un QR code. Donc, vous pouvez retrouver les recettes sur l'application. Attendez, je vais pas tout vous montrer, blablabla. Donc, après les recettes traditionnelles, vous avez une recette là, planète de licorne de l'espace. C'est une pomme enrobée, on dirait. Après, voilà, il vous explique tout, étalé, collé, mijoté, patati, patata. Toute la journée, ça n'arrête pas de pleuvoir, et la vie, c'est la cuisine, le ménage. Vous avez des photos d'enfants que vous pouvez poster vous-même sur l'application. Ah, découvrez tes 3 recettes cadeaux. On a 3 recettes cadeaux à découvrir. Yes. Ah, mais pas en vidéo. Hein. Non. Ah, voilà. Regardez, c'est ça que j'ai cherché. La tasse comme ça, là. On va prendre une, la première. Hein. La grosse tasse, vous voyez? Il vous explique liquide, farine, sucre, riz, beurre, patati, patata. Vous voyez? Ils vous disent toutes les quantités. C'est génial ce truc. Plus besoin de mesurer. Voilà. Vous avez les quantités des trucs dessous. Là, par exemple, la coupe est égale à 25 centilitres de lait ou d'eau, peu importe. 150, t'as vu? C'est super. Ok, yes. Une recette de crêpes. Et donc, vous avez des énormes livres de recettes, là. Avec des madeleines, avec des trucs bidule chouette pour s'amuser. Et on avait mis un truc à une page, il y avait tous les livres comme ça. Ouais. Attends, c'est plus à quelle page? Mais c'est ça. Ah ouais. Non mais c'est rien, vous inquiétez pas. Non, oh, voilà. Il y a d'autres outils. Ouais, ils n'y étaient pas, sinon je te les aurais pris. Il y a d'autres outils, là. Un fouet, une spatule, une raclette, un pinceau et une cuillère. Et des assiettes. Il n'y a pas d'assiettes, là. Pas d'assiettes? Non. Donc, voilà, ça, c'est le récapépète.
4 pépites. Voilà. Il n'y a toujours pas le truc des 4 épices. Je trouve ça dommage. Je ne saurais pas c'est quoi l'histoire des 4 épices. À part si Chef Club vient me voir et m'explique. Il y a une recette de cookies là. C'est pas mal. Moi je pensais que c'était les 4 épices au hasard. Et regardez, il y a un truc qui est génial là. Vous voyez ? Il y a un truc qui est génial. Il vous montre que. Il me faut la souris, s'il te plaît. Ah ouais ? La souris et la bleue. Et la bleue ? Ouais, celle-là, là. Les deux là. En fait, pour faire des cookies, il faut que vous mettez la pâte à cookies là-dedans. Vous voyez ? Et après, que vous allez écraser comme ça. Vous voyez ? Vous mettez la pâte à cookies. Et avec la petite poulette, Colette, la poulette, vous prenez le cookie et vous écrabouillez comme ça. Pas exactement. Bah si. Si, exactement, regardez. Non, faut pas le mettre tout là, juste. Regardez, vous le montre. Hop là. Ça te donne la dose idéale de cookie. Après, une fois que ta dose de cookie, celle-là, que tu as pris la bonne dose de pâte à cookie, tu vois, tu la mets sur ton plan de travail et tu l'écrases avec les fesses de la spatule. Donc c'est génial. Mais ce que je trouve dommage, c'est... Les 4 épices. Sachant que j'ai pas tout regardé les recettes. Quelle épice ? Les 4 épices. Mais quelle épice ? Hé, hey, Chef Club ! Imagine, ils se sont juste trompés dans le livre. Chef Club, il faut que vous m'expliquiez ça, là. Là, Chef Club. Là, ce truc-là. Vous voyez, là ? C'est quoi, ça ? Oui, j'ai l'ongle moitié de vernis, ouais, on s'en fout. Peut-être c'est logique, mais non, on voit pas. J'ai cherché sur internet, je trouve pas, parce qu'ils ont des épices toutes prêtes. Hein. Mais je sais pas. Donc, donc, je disais, vous avez ce fascicule, ce livre, plus les petites spatules là, les petites cups. Les cups. Ouais, donne. Cake. Oh. Non, cup, mais bon, c'est pas grave. Non, cupcake. Avec tous les petits personnages, vous voyez. Franchement, c'est mignon, même pour les grands, pour la cuisine. À la base, je l'ai acheté pour lui, mais vous avez compris. Bref. Elle va me le voler. C'est plus que sûr. Donc, Peppa Pig. Hein? Peppa Pig. Ouais. Donc, voilà, on va essayer de trouver, si c'est pas trop cher, les petites spatules que vous avez vues tout à l'heure. Et là, tu sais, 30 ballons. Allez. Sur ce, dites-moi si ça vous a plu. Si vous connaissez la chaîne Chef Club, Chef Club Kid et toutes les Chef Club, voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout, abonnez-vous. Ah, que veut parler ? Bonne année. Ah oui. Bonne année. Joyeux Noël. Et mangez des écureuils mouillés. Alors, sur ce, je vous dis à toutes et likez, partagez, abonnez-vous, commentez, activez la cloche qui est là. Faites tout quoi. Et désolé pour le montage, mais activez la cloche qui est là. Merci. Non, elle est là la cloche. Regardez là. Vous la voyez la cloche? Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.